Et yo tout le monde, content de vous retrouver pour ce deuxième épisode des passages secrets. Donc aujourd'hui on va vous montrer 4 nouveaux passages secrets je crois. Et vraiment ils sont incroyables. Et aujourd'hui on est en compagnie de... Et la nono. Ah par contre je suis coincée dans la lame. Ok, bonjour. Bon, j'ai un petit peu fait le bazar avec la lame, mais sinon... Donc alors, on aura besoin... Un petit peu. Alors, on va juste prendre ça et ça. Voilà, on aura juste besoin d'un seau d'eau, je crois. Hein. Donc du coup, on va un peu voler et on va revenir. Donc là c'était le premier épisode du passage secret. Donc là, on va vous montrer le... Donc ça, c'était le deuxième passage. Ah non, il nous faut un seau. Donc il nous faut un seau. Ok, donc on prend... On va... Hop. Donc là, ça s'ouvre. Je vous avais montré le mécanisme de celui-là. Et là, celui-là, j'adore. En vrai, il est pas totalement optimisé, mais vraiment, j'adore. Vas-y, Ilan, mets-toi là. Mets-toi dans le truc, là. Dans la plateforme. Voilà. Bouge pas. Est-ce que c'est pas stylé? Attends, va dans le trou, je m'occupe de... Ok, donc du coup, celui-là je vous montrerai le mécanisme. Oh, il est vraiment très simple, il est pas très optimisé parce que je vais pas la masse réfléchie. Mais voilà, donc le suivant, si vous le camouflez bien, genre par exemple ça dans un château, genre vraiment ça passe, mais super crème. C'est très compliqué à faire, enfin genre j'arrive pas à le mettre en place, mais par contre bouge parce que déjà que c'est compliqué à faire. Donc alors, regardez. Hop, donc là, et là, normalement, on est censé passer. Et c'est refermé. Ah, c'est compliqué à faire. Hein. Oui, ok. Donc là, c'est bon. Donc, en fait, Ilan, il faut que tu lances un truc. Non, vraiment, le passage secret ici, il est super simple. Il faut que tu lances un truc derrière le tableau, ici, là. Dans le... à gauche du tableau. À gauche du tableau. Voilà. Faut que tu lances. Il y a un petit trou. Ça va arriver sur une plaque de pression. Ça va ouvrir la porte. C'est ultra simple, mais c'est génial. Oh non. Ah ouais. Ah si, t'es passé. Ok. T'as vu? En plus, c'est compliqué à faire. Hein. Ça, c'est compliqué de passer. J'arrive pas à passer. Et en fait, ceux-là, c'est tous. Je les ai tous inventés. Le suivant, vraiment, il est. C'est mon préféré. Je l'adore. Et celui-là, je l'ai inventé en plus. Le suivant. Bon, attends, au pire, tu sais quoi, je te mets les blocs et tu passes. Hop. Mais pourtant, j'ai mis des blocs. Mais ils sont pas arrivés sur la plaque. Ok, bon, moi, j'arrive pas à mettre le bloc non plus. Je te dis 3, 2, 1, vas-y. What? Tu l'as récupéré. Bon, allez. Bon, allez, dis quoi, casse la porte et viens. Ah, c'est bon, j'ai réussi. Mais non, j'ai cassé la porte. Donc là, hé, devine comment on entre. Indice, t'as besoin d'un seau d'eau. Combien j'en ai un Mais qu'est-ce que tu fais? Non, là on doit boucher en fait. Ilan, on bouche ici. Donc tu t'en vas. Et, ah oui, j'ai compris. Je crois que j'ai compris. Ah oui. Tout compris. On peut mettre un seau d'eau là. Et nager. Tu sais comment on nage ou pas? Ouais. Bon, allez, je te montre. Pourquoi? Eh ben vas-y, fais-le. T'as pas l'air de bien nager comme un poisson dans l'eau, moi je dis. Hein. Bah c'est dur en... Et en plus, là, c'est sans aucun système de redstone. Celui-là, y a rien de plus simple. Je vais pas dire. C'est vachement facile sur de nager. Ça marche. C'est très dur de nager. Ouais. Sur ordi, c'est plus simple que sur. Bon, allez, viens, passe. Ça va casser les dalles. Ok. Et vous voyez, même si on sait ce que c'est, on n'y arrive pas.
Donc là il est très simple. Vas-y, essaye d'y aller, Ilan. Là, il est très simple. Donc, en gros, ce que je vous conseille, c'est de mettre des trucs un peu intéressants, mais tu vois, genre, pas les livres et les très vrais trucs. Donc, les gens qui vous pillent, ils vont arriver. Donc, ils vont arriver comme ça. Ils vont croire que c'est la dernière salle des coffres. Du coup, ils vont y aller et tout. Ils vont ouvrir vos coffres et ils vont se casser. Et ils vont se casser. Alors que, regardez, il y a un petit trou. Ils se voient un peu, donc, c'est pas vraiment le. Il est pas vraiment ultra bien caché, mais perso. Enfin, c'est quand même un passage. Regardez le bonheur en dessous. Qui fait. Ouais. Allez, il a. Non, mais regarde, moi, juste, j'ai fait exprès, voilà. Je l'ai pas mis en dessous, justement. Parce que faut mettre un. Tu vois, faut vraiment bien. Mais non, il a enlevé le wagonnet. Ouais, mais en fait, le problème. Allez, je t'en reviens. Sur tablette, il est impossible à faire. Bah ah oui, parce que sur tablette, oui. T'appuies. Ouais. Entrée et du coup on peut pas le faire, c'est vraiment dommage. Bah du coup c'est cool parce que ça enlève encore plein de possibilités. Et voilà, donc là on arrive à la fin de ces trois passages secrets et ceux-là ils sont vraiment ultra simples. Là il n'y a aucun système, vraiment il y a en fait je vous explique, faut juste aller dans le wagonnet et quand vous sortez, bah du coup vous sortez dans votre passage secret. Et vraiment, celui-là je l'aime bien. Il y a celui d'avant là que j'ai inventé, vraiment je me la pète un peu, mais vraiment je l'aime bien. Vraiment, je l'aime bien. Donc là, c'est la fin. Là, il n'y a aucun système. Vraiment, c'est ultra simple. Là, vous avez juste à mettre une dalle. Ou alors, vous avez juste à faire comme ça. Vous faites juste comme ça. Hop. Donc voilà. Après, vous allez là. Et vous courez. Et normal. Non. Voilà. Oh, et là, c'est la fin. Ouais. Je suis beaucoup trop fort. Quoi? Même. Non, mais Ilan, on a tous vu que t'es passé. T'es passé par le là-bas. Je suis cramé. Ouais, donc du coup ouais. Donc du coup là on est. Oui, donc ce passage-là non plus, il y a pas besoin de redstone. Vous avez juste à mettre une porte, nickel. Et alors il y a celui-là. Je vais vous montrer le mécanisme. Alors c'est vraiment pas compliqué. Je vais casser le. J'ai montré le mécanisme. C'est vraiment pas compliqué. Il est pas très optimisé. Je le sais bien, mais. Je voulais juste, enfin, j'ai inventé, j'ai pas trop réussi à l'optimiser. Donc voilà, donc vous mettez juste un fil de redstone qui relie tout, voilà. Là, vous mettez un répéteur parce que sinon, je crois qu'il n'y a pas assez. Enfin, donc là, très important, faut mettre un bloc de fer. Attends, on va enlever ces blocs-là. Donc vous mettez un wagonnet en tonneau noir juste en dessous, vous mettez une dalle ici, voilà, enfin ou une dalle ou tout ce que vous voulez. Donc vous allez le jeter un bloc là-dedans, ça va désactiver ça, qui va justement activer la torche de redstone, qui va activer ça. Et qui va activer les pistons. Donc là, il est désactivé parce qu'on a un truc dedans. Mais regardez, si on enlève le seau d'eau, et voilà, ça remonte. Parce que, ça a activé la torche de redstone. Le comparateur s'est éteint, ça a activé la torche de redstone, et voilà. Et vraiment, c'est très simple. D'ailleurs, si vous avez des idées de comment l'optimiser, dites-le en commentaire. Ça nous aiderait vraiment. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, ça ferait super plaisir. On s'approche bientôt des 20 abonnés. Merci à tous les gars. Et puis nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut !